Bonsoir, bonsoir, cher peuple camerounais. Il est 16h30 minutes ici à Blois-Chambord. Nous sommes le mardi 24 septembre 2024. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjoko. Cet après-midi, je dépose mes valises à Washington, où se trouve Son Excellence Monsieur Brice Clotaire-Oligui-Nguema, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, commandant en chef de la garde républicaine, commandant en chef de la garde républicaine, ancien ministre de la Défense, ancien ministre de l'Intérieur et président du Conseil supérieur de la magistrature. J'ajouterai à son chapelet de titres honorifiques, il est un homme d'affaires accompli. Monsieur le Président de la Transition, veuillez me recevoir dans vos appartements, dans votre luxueux hôtel. Cet après-midi, comme vous pouvez le constater, je viens déposer mes valises avec, comme d'habitude, un dossier poignant et qui donne froid aux deux, qui donne froid au dos. Monsieur le Président de la Transition, je n'irai pas par le dos de la cuillère. Le dossier concerne votre ami, un membre du gouvernement d'Onsima II, en la personne de Monsieur Pascal Ogoué Siphon. Il est pour votre gouverne le cadet de Hilaire Adiaïno. Pour votre gouverne, il serait aussi le beau-frère d'un autre membre du gouvernement, d'Onsima II, à la personne de Son Excellence Monsieur Marcel Abeke, que nous appelons affectueusement Mwanda Oyesi. Monsieur le Président, lors de votre prise de pouvoir, vous avez pris un engagement vis-à-vis des populations gabonaises que les choses ne seront plus comme elles étaient avant, avec une corruption à grande échelle, avec le détournement des fonds impunis. Alors là, vous êtes bien placé puisque vous êtes un as des renseignements. Vous avez mis à disposition du ministère du Tourisme 4 milliards. Mais Monsieur le Président de la Transition, comment peut-on identifier des sites touristiques à hauteur de 4 milliards? 4 milliards, c'est 4 000 millions, Excellence Monsieur le Président de la Transition. Et c'est à ce niveau-là que ça me fait mal. C'est à ce niveau que ça me fait mal. Excellence, dans la mesure où les agents qui ont été commis à cette mission peinent à rentrer en possession de leur per diem. Et lorsqu'on se retourne vers le tristement célèbre Pascal Ogoué Siphon, il nous envoie paître. Il dit aux agents que cet argent, en fait, vous sert à vous. C'est à vous qu'il aurait remis cet argent. Et nous ne comprenons pas. C'est-à-dire que quelqu'un détourne des fonds, il dit qu'il vous a donné l'argent et vous ne sévissez pas, Monsieur le Président de la Transition. Mieux, Pascal Ogoué Siphon est coupable de ce que nous appelions, quand nous étions plus jeunes, le yobo. C'est un as du Yobo. En bon français, on appelle ça la pluralité masculine. C'est-à-dire une femme qui accepte de coucher avec plusieurs hommes en même temps. C'est devenu malheureusement la pratique chez Monsieur Siphon. Et il a pour complice le père de votre neveu, un certain Dominique Mbina,
un ancien agent de la BGF. C'est avec ce dernier qu'ils font ce qu'on appelle les yobos, sans consentement. Donc c'est un crime, c'est un viol, monsieur le président de la transition. Malheureusement, nous constatons, les parents ont déposé plusieurs plaintes auprès du tribunal de première instance de Libreville, sans suite, monsieur le président de la transition. Vous avez promis aux Gabonais une justice proche des populations, une justice pour tous. Or, nous constatons que monsieur Mbina se balade. On le voit du côté de la SMAG là-bas. On le voit de temps en temps errer en Luanda, chez ses amis, chez ses parents. On voit monsieur Siphon, c'est la coulée douce. Et pendant ce temps, les victimes ne font que s'accumuler au niveau du tribunal de première instance de Libreville. Monsieur le président de la transition, où est la restauration de notre dignité lorsque des prédateurs sexuels ne sont pas poursuivis? Ils sont laissés à l'air libre, en toute liberté, pour continuer leur basse besogne. Monsieur le Président, vous voyez, ce genre de choses font en sorte que le commun des Gabonais commence à se poser la question que finalement, que reprochons-nous à Monsieur Ali Bongo Ondimba et ses amis? Lorsque nous constatons que les choses demeurent à l'état, et puis à son corps défendant, on peut dire qu'Ali Bongo a certainement été piégé par vous et par ceux-là qui cautionnent cette infamie, qu'elle soit financière ou sexuelle. Parce que nous ne comprenons rien du tout. Nous ne comprenons pas votre passivité devant des actes aussi ignobles. Excellence, monsieur le président de la transition. C'est pour vous dire que dans quelques semaines, nous allons arpenter le Gabon tout entier. Mais nous aurons du mal à faire triompher le oui pour lequel vous courez en longueur de journée. C'est vrai, monsieur le président de la transition, vous avez les armes, vous avez une partie des militaires, vous avez les gradés à qui vous avez donné des fonctions, mais vous n'avez pas de troupes, monsieur le président. Si quelqu'un vous dit que vous avez encore de la troupe, c'est un menteur. La troupe aujourd'hui est avec le peuple. Et nous allons nous battre contre vous et contre les gradés pour faire triompher le nom. Le non, pas parce qu'on n'a pas voulu vous donner la chance de pouvoir diriger ce pays, mais le non, c'est par rapport à ce que nous vivons en longueur de journée. Par rapport à ce que Siphon et votre beau-frère font endurer à nos enfants. Ils pèdent, ils couchent avec nos enfants à plusieurs sans leur consentement, monsieur le président de la transition. N'oubliez pas, Excellence, que vous avez des enfants. Parmi vos enfants, vous avez aussi des filles. Et ne dites pas que parce qu'on a fait ça aux filles de prolétaires, que les Siphons et votre beau-frère ne peuvent pas s'en prendre demain à vos enfants. Il va falloir que vous agissiez le plus rapidement possible, Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Parce que nous sommes désabusés. C'est pour cela que je sollicite très respectueusement de votre haute bienveillance que M. Siphon soit relevé de ses fonctions pour qu'il se mette à la disposition de la justice gabonaise. Et que sous huitaine, qu'il vous plaise, que votre beau-frère, M. Yad Dominique Mbina, soit mis aux arrêts.
Parce que cette affaire de Yobo, les voix sont en train de se lever. Les gens commencent à parler. On a libéré la parole, monsieur le président de la transition. Vous savez aussi que le fonctionnariat, être fonctionnaire, nous n'avons pas de gros salaires, il n'y a pas de gros moyens. Et le fonctionnaire ne vit que s'il va en mission. Je ne peux pas comprendre que pour une caravane, pour l'identification des sites touristiques, que l'on dise aujourd'hui que on a dépensé 4 milliards. 4 milliards. Et vérification faite, on a payé du matériel pour Cap Caravane. Il semblerait que vous seriez désormais un associé à monsieur Siphon Pascal, Siphon Ogoé Pascal, mais monsieur le président de la transition, je reste dubitatif. Je ne comprends pas ce goût effréné de l'argent, alors que vous avez la fonction la plus onéreuse de l'État. Excellence, monsieur le président de la transition. Nous sommes là, nous allons nous organiser, parce que la coupe devient un peu trop pleine. J'en ai terminé. Je sais compter sur votre probité morale et sur votre savoir-faire pour qu'enfin on puisse mettre hors d'état de nuire les sieurs Pascal Ogoé Siphon et Monsieur Yad Dominique Mina, une vieille connaissance du général Pongi. Je vous remercie. C'était Wilfried Okumba Kamitato Lénine Ndiogo depuis Blois-Chambord. Je vous remercie.